Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour quelques Poké News avec tout d'abord cette annonce officielle de Niantic via le compte Pokémon Go sur Twitter. On apprend que nous avons droit à une prolongation concernant le bonus des régionaux présents dans les œufs d'Alola. Nous avons finalement jusqu'au 8 octobre pour récolter ces œufs dans les cadeaux que nous envoient nos amis. Le contenu des œufs est définitif dès lors que vous l'avez obtenu. Donc même si vous ouvrez ces œufs après le 8 octobre, ils contiendront peut-être toujours le Pokémon régional qu'il vous manque pour compléter votre Pokédex de la première génération. Je vous ai demandé sur la page Facebook si vous étiez parvenu ou non à compléter votre Pokédex de la première génération grâce à l'Ultra Bonus. Pour la moitié d'entre vous, c'est le cas, comme pour moi, mais pour l'autre moitié d'entre vous, et vous êtes très nombreux encore, il vous manque ou bien un Pokémon régional comme Tauros ou Kangourex, ou bien Mewtwo. Donc vous avez jusqu'au 23 octobre pour mener des raids Mewtwo et l'ajouter à votre Pokédex, ou en capturer un maximum si vous l'avez déjà. On ne sait pas à l'avenir quand nous pourrons de nouveau capturer Mewtwo. Hier soir, vers 22h, se sont achevées les apparitions de Pokémon de la première génération. Il y a eu en même temps une migration des nids. On voit de nouveau apparaître les Pokémon habituels. Par exemple, pour moi, c'est plutôt des Tarinors ou des Chuchemurs, etc. On a aussi de nouveaux boss de raid, avec dans les une-tête, notamment Magicarp. On retrouve dans les deux têtes Mizdibule, Mizdibule qui ne s'obtient que. Par les raids, donc si vous ne l'avez pas encore ajouté à votre Pokédex, profitez-en, on imagine qu'un jour ou l'autre, Niantic va bien finir par l'enlever des boss de raids. Dans les trois têtes, on retrouve le Raidchu d'Alola, si vous ne l'avez pas encore, c'est l'occasion aussi de l'obtenir. Dans les quatre têtes, le retour d'Absol, de Tyrannocif et d'Ossature d'Alola. Et enfin, on retrouve Mewtwo dans les cinq têtes et Deoxys dans les Redex. Vous êtes quelques-uns à avoir demain un ou deux si vous avez été invité par un ami ou si vous avez reçu plusieurs invitations. À mener demain votre premier Redex déoxys. Donc j'ai très hâte d'avoir vos retours, je vous souhaite à tous de le capturer. Demain ce sera donc la forme normale. on ne sait pas quand nous aurons accès aux autres formes de déoxys. Une autre PokéNews dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, c'est une nouvelle Safari Zone qui est organisée à Taïwan du 1er au 5 novembre. Ils auront sur place et sans ticket, c'est un événement ouvert et gratuit comme ce fut le cas pour le Safari de Dortmund. Ils auront sur place. Plus d'apparitions de Zarbis, ils auront aussi la possibilité de capturer le régional Reliquante. Ils auront la possibilité de capturer Scarabrut dans sa version Shiny. Et là, on s'interroge, est-ce que Scarabrut va être disponible dans le monde entier dans sa version chromatique ou non on a eu cet été dans le monde entier, lorsqu'il y avait des safari Zone Roselia Shiny disponibles. Ensuite, on a aussi eu Posipi et Negapi. On a aussi eu GoElise. Mais tout ça, c'était dans le cadre du Pokémon Go Travel Tour. Donc, est-ce que ça va être la même chose pour ce safari de Taïwan et cette apparition de Scarabrut Shiny Pour l'instant, on l'ignore, mais on l'espère très fort, car c'est toujours intéressant d'avoir un Pokémon Shiny supplémentaire. À chasser. A compter de ce soir, le 1er octobre, 22h, vous obtiendrez Suicune comme récompense des 7 tampons. On devrait voir aussi ce soir arriver de nouvelles études de terrain, de nouvelles quêtes et aussi les premières apparitions normalement de Krabby Shiny qui a été annoncé, je vous le rappelle, par un des youtubeurs partenaires de Niantic. J'en parle un petit peu plus dans la vidéo précédente si vous voulez plus de détails. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles PokéNews!